Salut les voyageurs. Enfin, une vidéo un peu différente que d'habitude. Alors, on a tardé à la faire, désolé, mais entre le temps d'acclimatation... On est très très occupé, vous vous rendez même pas compte. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, il pleut quand même beaucoup. En tout cas, cette année, en été, il pleut beaucoup. Et sinon, il y a du vent. Voilà, et là, il y a du vent, justement. Désolé, on se dit, bah non, il fait beau. Faut y aller. Faut y aller, on vous fait cette vidéo. Il y a du vent, on espère que le son sera OK, on fait au mieux. Donc, bienvenue chez nous. Hey, salut Camille. Qui ramasse des murs, c'est pas beau. Donc bienvenue chez nous dans notre petit camping-car qui s'appelle Momo. Bon, et bon, donc motorhome. Qu'on a acheté ici en Nouvelle-Zélande. On vous fait la petite visite de Momo et après on se posera un petit peu pour nous parler de comment on a pu acheter ce camping-car, comment ça se passe les démarches. Et puis les différentes choses à voir et à faire quand on achète. Voilà. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin et puis on vous présente Momo. C'est parti. Donc pour installer l'extérieur, c'est très facile. Il y a un grand coffre à l'arrière que je vous montre tout de suite. Où tout est dedans. Il y a aussi un petit coffre ici où on met les chaussures. Et il y a le même de l'autre côté où on range un des quatre sièges. Le 220 volts. La bouteille de gaz. 9 kg. Là, c'est pour remplir l'eau douce. Et là, c'est la batterie. On rentre à l'intérieur. Chose hyper importante, si vous venez voyager ici en Nouvelle-Zélande, prenez quelque chose qui a des moustiquaires, parce qu'en fait, on appelle ça des sandflies, c'est des petites mouches qui vous... qui vous mord la peau et en fait c'est pire que des moustiques, donc hyper important. Voilà, vous verrez hein, c'est tout petit et voilà. Et ben le tour est vite fait. Et ben là on a fait le tour de ce côté et voilà. Ce qui est bien c'est que il y a tout à portée de main. Non, cessons de plaisanter. Là-haut j'attends, il y a Camille qui voudrait vous présenter en fait leur chambre, leur lit. Ici, comme vous le voyez, il y a la cuisine. Donc, il y a un évier qui est bien fonctionnel avec un endroit juste à côté pour pouvoir faire égoutter la vaisselle. Sinon, on a notre frigo. Franchement, par rapport à un frigo de bateau, enfin celui qu'on avait qui était en fait encaissé au fond, c'est vraiment pour nous c'est agréable de retrouver un frigo comme ça de maison et on met plein de choses. Et en fait donc ce frigo il est super bien parce qu'il a trois fonctions. Donc il y a une fonction gaz, il y a une fonction quand on est branché en fait à l'électricité au 220 et une autre fonction sur batterie. Donc batterie on met quand on roule. Le gaz, on le met là quand on est stoppé dans un campsite. Et si vraiment on va dans un camping payant où on a l'électricité, on va se brancher au 220. Voilà pour ça. Et puis ça nous permet vraiment d'être autonome parce que y a quand même des moments où il y a pas mal de nuages. Et en fait, les batteries, on a une batterie de servitude de 120 ampères. Ça ne nous suffit pas, donc le gaz, c'est top. Par rapport au gaz encore, donc on a ici 4 feux, donc un bel espace. Et Patrice, c'est une bouteille de combien de kilos déjà qu'on a ? 9 kilos de gaz. Donc 9 kilos qui en fait fonctionnent pour la gazinière et pour le frigo. Et pour le... non c'est tout. Non,
Parce que c'est le chauffage. Ouais, c'est ouais. Pour le chauffage, tu allais dire. Oui, mais non, le chauffage, il est au gasoil. Et là, donc, c'est typique néo-zélandais. Ils adorent griller leur pain. Donc, en fait, tout le monde a un grill. Partout où on va, il y a des grills. Et donc, on n'a pas de four, mais il y a un grill. Autant dire, on ne l'a jamais utilisé. Donc, voilà. Sinon, franchement, il y a plein de rangements sur le haut aussi. On est super content par rapport à ça. On se tourne et là on a la salle de bain. Je vais essayer. On va essayer de rentrer à deux. Donc c'est des toilettes chimiques avec une grosse caissette de 20 litres. Et donc voilà comment ça fonctionne. Hein. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on ouvre et il y a un trou et en fait c'est relié donc à la cassette qui est en dessous, qu'on vous a pas montré d'ailleurs, qu'on retire depuis l'extérieur. Et il y a un petit petit réservoir d'eau et pour pouvoir rincer. Par contre, on peut pas être en même temps se brosser les dents et en même temps aux toilettes parce que l'évier est repliable. Voilà notre évier. Très fonctionnel. Et en fait donc pour le vider, il y a juste à le fermer. Et c'est bon. Nickel. Au niveau de l'autonomie d'eau, on est à 100 litres, c'est ça hein? Ouais, 90 litres. Ouais. Et alors, on ne prend pas des douches tous les jours. On prend des douches tous les jours, mais si on prend vraiment des bonnes douches tous les jours, il faut qu'on aille à la dump station, donc à la station de vidange, pour pouvoir évacuer nos eaux usées. Parce qu'entre la vaisselle et les grosses douches à 4, eh ben, on ne tient pas très longtemps. Après, on a un autre système là, on a un petit truc de jardinage, comme ça, sous pression. Donc les enfants, ils aiment bien ça. Donc de temps en temps, ils se font des petites détentes avec ça. Et voilà, ils sont bien contents. Et donc on arrive à prendre une douche avec 2 litres d'eau. C'est vrai. On avait ça aussi au début sur un ancien bateau. Et franchement, c'est top top. Donc voilà pour nos petites salles de bain. Et la douchette, elle est où? Tu l'as pas montré la douchette? Hey, la douchette, ben, elle est là. Ah, elle est là, ouais. Donc on fait tout au même endroit. Après, ce qui veut dire, c'est que tout est mouillé quand on va aller aux toilettes. Donc il faut que tu ressèches un petit peu. Ouais, on a une petite raclette, ça le fait bien. Franchement, c'est vraiment... nous, ça nous va bien. Ça nous suffit. Pour l'eau chaude, du coup, on a un petit interrupteur ici. Et puis en 20 minutes, on arrive à avoir de l'eau chaude. Donc là, vous avez le petit système électrique qui nous montre la charge de la batterie. Donc la batterie c'est une 120 ampères et on a un panneau solaire. Alors on ne sait pas de combien de watts il est le panneau solaire, mais voilà, mais un panneau solaire qui nous suffit. A priori ça devrait être 150 watts je pense, mais il est assez vieux donc... Ouais, il y a des moments où il donne plus que d'autres, hein. il est pas... Voilà, mais ça fonctionne nickel. Sinon il y a un micro-ondes. Micro-ondes qu'on n'utilise jamais. Non. Et puis qu'il faut que si on veut l'utiliser, il faut être branché au 220. Quoi d'autre? On a d'autres prises aussi ici. Des prises 220 qui nécessitent aussi d'être branchées. Donc un réseau 220. Et sinon on a un petit convertisseur qu'on vient de changer parce qu'il nous a lâché. Donc c'est un 600 watts. Il est là derrière. Donc nous on a mis directement une prise convertisseur pour pouvoir charger Les prises européennes. Voilà, ouais. Exactement. Pour pouvoir charger nos appareils européens. Et sinon on a une multiprise locale et avec des USB, des clés USB en plus. Donc voilà pour ça. Et sinon il y a un téléviseur avec l'antenne satellite. Qui est là. On sait même pas si ça fonctionne. Ouais. La télé elle fonctionne. Le satellite, on ne l'a jamais utilisé. Bah non, je ne regarde pas la télé. On a plein d'autres choses à voir aux alentours. Donc on avait hésité longuement en fait, avec un plus petit bus, un van. Et en fait, ce qui nous posait problème, c'était le nombre de rangements parce qu'on a évacué beaucoup après Niue. Pour ceux qui ne savent pas, on était sur un bateau avant pendant 2 ans et demi. Et en fait, il y a des choses qu'on a gardées et qu'on aimerait ramener en Europe. Et là, on attend de la famille pour pouvoir ramener nos affaires. Donc, on a encore quelques affaires. Et en fait, dans les petits vannes, on n'arrivait pas à ranger tout. Donc ici, franchement, on a plein de rangements. Voilà, je vous montre. Hein. C'est quand même bien bouclé. Là, c'est l'armoire des enfants. Ce qui est bien, c'est accessible pour eux. Et voilà, ils sont autonomes pour aller chercher leurs affaires. Ils n'ont pas besoin...
Camille, ça aurait été un petit peu juste en haut. Voilà, des rangements partout. Il y a aussi sous les banquettes des rangements, sachant qu'il y a quand même le chauffage ici qui prend un peu de place et le chauffe-eau qui prend aussi un peu de place de l'autre côté. Donc ici on a aussi le petit interrupteur, bon il est tout petit, hein, c'est pour la fonction du chauffage, en fait les fonctions du chauffage qui marchent au gasoil. Une dernière petite chose, donc on a donc à peu près 90 litres d'eau douce et on a pareil en réservoir d'eau usée. Et là c'est le petit moniteur qui nous permet de voir en fait l'eau fraîche qui nous reste et puis les eaux usées, le niveau. Vous demandez certainement où on dort, les enfants donc dorment à l'avant dans la capucine et nous on dort à l'arrière ici. Alors ça veut dire que tous les soirs on enlève la table, on enlève le pied, on tire et puis après on met les matelas tout comme il faut et on a un lit de à peu près 140. Ouais, 140 par 210. Au début on avait un peu de peine parce que c'était quand même un petit peu petit, mais au final on finit toujours par s'habituer. Donc en fait on dort super bien dans notre petit lit et on a un duvet, enfin une couette en français, en Suisse on appelle ça un duvet, et on dort super bien dedans et vous voyez la vue qu'on peut avoir. Camille, tu voulais nous présenter ta chambre. Notre chambre. Ah oui, c'est mieux pour pouvoir monter dans le lit. Alors voilà, on a ce côté. On a notre bac pour nos jouets. Après, on a une autre armoire aussi. Et moi, je dors là. Et ça, c'est pour quand je dors. Parce que voilà, je peux tomber. Et alors, tu dors bien dans ce lit? Ouais, je prends du temps à m'endormir. Je préfère Niouer là, tranquille, dans ma chambre à moi. Et pourquoi tu préfères Niouer? Parce que c'était plus grand, j'avais tous mes doudous, je pouvais dormir tranquillement. D'accord. Sans Naël. Ok. Eh ben, on prend note. Voilà les voyageurs, on espère que vous avez aimé notre petite visite de Momo. On s'est mis à l'intérieur parce que, enfin, vraiment, il y a trop de vent. On est désolé si c'est pas très agréable. On a essayé de faire au mieux. C'est un très beau site, hein, comme vous pouvez voir derrière. C'est pas une photo. Hein. C'est pas un tableau. C'est la vue depuis notre lit. Donc, juste pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on se présente. Donc, on est une famille de quatre. Il y a Patrice, il y a moi, Eliane, et puis il y a nos deux enfants, Naël et Camille, qui ont 9 ans et 7 ans. Et on est en tour du monde depuis 2020. Au début, on était sur un voilier qu'on a quitté au mois de décembre. Et depuis décembre, donc, on voyage en Nouvelle-Zélande. Et on vous explique un petit peu comment on a procédé pour acheter notre camping-car, pourquoi on a acheté un camping-car plutôt que la location. On va commencer. Pourquoi on a acheté un camping-car? Parce qu'en fin de compte, on reste 5 mois en Nouvelle-Zélande, donc on a dû faire un visa pour ça, pour rester plus longtemps que 3 mois. Et au vu de le prix des locations, et au fait qu'on s'est pris à la dernière minute, on s'est dit qu'acheter un camping-car était le plus judicieux. Mmh. Bon, on s'est pris à la dernière minute parce que on vendait le bateau et donc on savait pas trop combien de temps ça allait prendre et quand est-ce qu'on pouvait partir. Donc on vous parle un petit peu de Momo, notre motorhome. Momo le motorhome, donc c'est un Ford Transit de 2005, donc 90 chevaux, 3,5 tonnes, donc 3,490 tonnes, donc on peut conduire avec un permis voiture normal, donc ici un permis international bien évidemment. 258 000 km au compteur quand on l'a acheté, 10 000 de plus aujourd'hui. Boîte automatique, 5 vitesses, que dire de plus, 6 pneus, donc à train arrière, propulsion donc avec double essieu, donc c'est plutôt pas mal pour la route et puis pour la tenue de route et autres. Et donc comment on l'a trouvé? En fait, on a été sur les sites internet, donc on a été sur Trademy, donc c'est un peu le bon coin local. On vous met chaque fois, on vous mettra en bas comment ça s'écrit.
On a aussi été voir sur le marketplace, donc localement en Nouvelle-Zélande. Et aussi, il y a plusieurs groupes Facebook anglophones et francophones qui vendent différents modèles de voitures. Ici, ça se fait beaucoup en Nouvelle-Zélande de voyager soit donc en camping-car. Ça peut être des vans aussi avec soit deux, soit quatre, ou alors des petits vans qu'on aménage avec juste ce qu'il faut pour dormir et avoir de l'eau courante. Donc, on vous a expliqué pourquoi nous on a choisi le camping-car, parce qu'on avait plus de place et puis on est bien content en fait avec la météo qu'on a eue. D'avoir un espace intérieur. Bien pratique. Surtout en fait avec les enfants. Ouais. Comment ça s'est déroulé Donc, on l'a trouvé sur Trainmi. Et donc on a fait pour savoir l'état où il était, dans lequel il était, et puis s'il y avait des travaux à faire ou des réparations, etc. Donc on a fait ce qu'ils appellent un pre-purchase inspection. Donc ça se passe dans un garage, un concessionnaire et indépendant. Et donc il évalue le véhicule, la santé du véhicule, donc mécanique, pour voir s'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc ça coûte, nous on a payé $390 néo-zélandais pour cela. Et puis vous pouvez aller aussi vérifier l'historique du véhicule sur CarJam. Ça coûte $20 néo-zélandais. Et puis là vous vérifiez l'identité du propriétaire. Pour être sûr que s'il n'a pas été volé, s'il n'a pas des amendes, quels ont été les différents propriétaires, s'il a passé le WOF. Donc le WOF, c'est un des, c'est un peu un contrôle technique, ça s'appelle le Warrant of Fitness. Donc c'est le contrôle technique qui est à faire tous les ans. Nous on l'a refait là en janvier. D'ailleurs, donc et c'est à faire chaque année, donc ça coûte $78 néo-zélandais. Il faut vérifier aussi, donc nous on voulait un self-contained, donc c'est vérifier aussi la date de validité, donc ça se passe tous les 4 ans. Donc nous il est encore valable jusqu'à la fin de l'année 2023, cette année. Donc en fait le self-contained, ça vous permet d'aller dans des parkings, des campsites gratuits. Mm-hmm. En fait, ça veut dire que tu es autonome au niveau des toilettes et au niveau des eaux usées. Ouais. Donc ça, voilà, si vous voulez de l'autonomie, si vous voulez pas être obligé d'aller dans un camping payant avec toilettes et douches à disposition, il faut vraiment s'assurer que votre véhicule soit self-contained. Mm-hmm. Et attention, parce que nous, on a eu des contrôles par rapport à ça. Hein. Ouais. Et puis en plus du WOF, donc il faut vérifier le WEF. Donc c'est la même chose, mais Warrant of Electrical Fitness. Donc c'est pour vérifier tout ce qui est électrique. Donc ça c'est valable aussi 4 ans, comme le self-contained. Comme c'est un véhicule diesel, donc il y a une taxe sur les véhicules diesel ici. Le diesel est moins cher, mais on paye une taxe en contrepartie. Vous achetez des kilomètres, donc 1000 kilomètres. Et ça coûte une cinquantaine de dollars pour 1000 kilomètres. Donc voilà, il faut vraiment s'assurer que votre véhicule soit self-contained si vous voulez aller dans des campsites gratuits. Il faut vérifier le WOF. Le WEF. Et aussi, en fait, le certificat en fait, de registration. Ouais. Donc ça, c'est l'équivalent d'une carte grise. Et en fait, c'est très simple. On s'est dit, oh là là, mais mon Dieu, comment on va acheter un véhicule en Nouvelle-Zélande? Et en fait, c'est super simple. Ouais. Le vendeur va chez AA. Ou fait en ligne. Voilà. Faire en ligne. Donc, il y a juste, je sais pas, il y a un formulaire à remplir, ouais, de la part du vendeur, et l'acheteur fait pareil. Et en fait, tu payes $9 et le véhicule, il t'appartient. Voilà. Et tu reçois un nouveau certificat de registration à ton nom. Et la dernière chose très simple. La dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a assuré notre véhicule. Ouais, donc l'assurance n'est pas obligatoire en Nouvelle-Zélande, mais bon, il vaut mieux la faire. Enfin, nous, en tout cas, on a pris une assurance tout risque chez AA, donc Association Automobile de Nouvelle-Zélande, et on paye $90 néo-zélandais par mois pour du tout risque, avec une assistance routière.
Sinon, on voulait vous parler un petit peu de comment on voyage ici en Nouvelle-Zélande, si c'est compliqué de voyager en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est franchement très, très simple. Il y a des campings de partout. Il y a des campsites gratuits pratiquement partout. Il y a juste la côte ouest où il y a eu un petit peu moins. Voilà, il y a quelques endroits, mais infimes. Ou par exemple dans les Fiordland, tu n'as pas non plus de campsite gratuit. Ou Arthur Pass, il n'y a pas de gratuit. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise pour voyager ici en Nouvelle-Zélande comme application? Donc, pour trouver nos campings, on utilise CamperMate. Alors, pas que pour ça. Une application gratuite. Et c'est vraiment une application, nous, qu'on aime beaucoup. On trouve donc les points d'eau, on trouve, si vous n'avez pas de douche dans votre véhicule, on trouve les douches publiques, on trouve les supermarchés, on trouve l'eau potable, les dump stations, on trouve les supermarchés, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Les stations service. Les parcs de jeux pour les enfants. C'est vraiment, bien. Très bien fait, il y a les avis dessus. Faire attention parce que, en fait, quand par exemple vous avez un campsite que vous voulez, vous pouvez aller directement faire l'itinéraire dessus et méfiez-vous parce que des fois en fait le point il n'est pas le bon, donc en fait tu tombes pas au bon endroit. Donc regardez bien parce que ça nous est arrivé de ne pas arriver au bon endroit. Deux, trois fois. C'est... Des fois c'est quelques centaines de mètres près, mais des fois c'est vraiment. Donc vous se dites, mais attends, il y a un problème, c'est pas au bon endroit. Donc voilà, il y a cette application. L'autre application est Wikicamp. Beaucoup de voyageurs l'utilisent aussi. C'est une application qui est payante mais pas chère du tout. Pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup utilisée. Ouais, je la trouve moins conviviale que CamperMate. On a toujours trouvé ce qu'on voulait sur CamperMate. Ouais. Donc voilà. Au niveau des sites à découvrir, on a aussi Redi. Donc il y a une application aussi qui vous met en fait les points à visiter dans la région où vous êtes. Ouais. Donc ça peut donner, c'est un petit plus pour trouver les activités à faire. Et toi t'adores aller sur New Zealand Pocket. Ouais, NZ Pocket qui est très bien faite. Il y a tout ce qu'il y a à faire et à voir dans les différents sites, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça, tant les randonnées que les attractions, que les choses à voir, à visiter, etc. Et en fait, il y a aussi tout simplement Google Maps. En fait, tu vas sur Google Maps et il y a un petit onglet attractions. Et là, en fait, ça te met tout ce qu'il y a à voir dans la zone où tu es. Sinon, il y a aussi les blogs de voyage qu'on utilise beaucoup. Et puis toutes les pages Instagram d'autres voyageurs qui sont déjà venus en Nouvelle-Zélande. Et nous, Patrice affectionne beaucoup parce qu'on aime beaucoup randonner. Et c'est vrai que tu as une super application qui te permet de faire des randonnées. Toutes les randos. Donc, c'était Windy Maps, mais ils ont changé de nom. Ça s'appelle Mappy.cz maintenant. Et elle top, elle donne toutes les randonnées possibles et inimaginables, sachant que tu peux télécharger les cartes, donc tu les utilises hors ligne. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de réseau. Elle est très très pratique. Et puis en fait, on l'utilise aussi quand tout d'un coup on part d'un endroit, on n'a pas de réseau, on ne sait pas par quel chemin aller à notre prochaine destination. C'est aussi une alternative à utiliser. Ouais. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, n'hésitez pas donc à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, tout à fait ouvert. Faites-nous un petit message ou un commentaire. On y répondra volontiers. On espère que vous avez apprécié ce moment. Et désolé un peu pour l'attente, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont relancé pour faire cette vidéo. En tout cas, si vous hésitez à venir en Nouvelle-Zélande et à voyager en van, franchement, on recommande, c'est vraiment une superbe expérience. Nous, il nous reste encore un petit mois et demi ici, et puis après, on partira vers d'autres contrées. Donc on vous embrasse fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on adore créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves. Et on a une petite spécificité, donc c'est que on a une famille différente. On a une famille qui est complètement ouverte à l'autisme, et donc on aime sensibiliser à ça. Donc n'ayez crainte. L'autisme ne mange pas, donc suivez-nous et on aime beaucoup partager nos aventures au quotidien. Allez,
Bye bye les voyageurs. Bye bye.